Et voilà, bon, c'est parti pour la partie 2. Toujours dans le château. Oh merde, je peux me protéger. Oh non, hein. J'ai été coupé dans mon élan. Je suis coupé dans la vie, carrément. Oh bah, dis donc. Attends, hein. Descends et se téléporte jusqu'à votre ombre. Ah, j'avais quand même fait quand même quelques pièces, c'est pas mal ça. Je vais aller voir un peu. Bon, ouais, l'enchantresse, hein. Tout est de la bienvenue. L'enchantresse. Pour renforcer vos capacités physiques grâce aux runes magiques. Ainsi, vous rendre meilleur et plus fort, plus rapide, plus agile. Ah, c'est peut-être ça la botte d'Hermès que j'avais trouvée. Appuyez sur triangle pour changer de sort. J'avoue que je serais pas contre un peu plus de vie. J'ai pas assez. Lui il vaut 140, ça. Aïe aïe. 250, toujours. 100 pièces d'or, je pourrais rien en faire quand même. Bon, ma question c'est, quand on trouve une rune, est-ce qu'on doit la ramener à la tente ou juste la garder sur soi? Bon bah tant pis, hein. On va tester. Ah, le petit racket obligatoire. Oh. Alors comment fonctionne la magie? Je saute, je... Oui. Ah, d'accord, ça peut être pas mal en fait. Alors, on va voir s'il a de la... Oh merde, ramasse, je veux dire. J'ai moins de dégâts que l'autre. Ok, ça se la casse pas. Voilà, on va crever pour prendre un peu de vie, un peu de... paquet de 100 or, ça c'est plutôt pas mal. Je vais calculer ses sauts, hein, parce que là c'est fort. Moi je vais continuer. Tous les ennemis. Hop, c'est parti. Oh non, mais ça c'est dégueu. Il y a un genre de perso qui se téléporte sûrement. Ça a l'air beau comme ça, mais je vous jure que quand on y joue, on a pas envie de lâcher la manette, hein. Oh, 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 oh putain, je perds mon casque. Oh, c'est incroyable, ça. Alors, invoque une épée, enfin une lame, pour vous défendre. D'habitude, je prendrais plus de temps de lire, mais vu que je fais la vidéo... assez vite.
genre de moonrun. Y'a pas moyen de voir. Ouais, il est bon dans tous les domaines. 350. Ah, un petit succès, tiens. Premier succès du jeu. Déverrouiller l'architecte. Non, tu sais quoi? Et si j'achète une armure, est-ce que je la garde ou est-ce que je la perds? Bon. On va tester, hein. Plus vingt. Ok. Propriétaire supplémentaire, aucun. Ok, super. Ah merde, mon 10 pièces quoi. L'épée elle est déjà mise. J'en pose, un onion. Carré. Équipement. Bon, on ne dit rien. Hein. Bon, partant du principe que c'est déjà mis. Hein. Toutes tes magies elles sont combien? Ouais, elles sont aussi chères que l'équipement quoi. Allez, c'est parti, on repart pour le château. On va perdre 140 pièces. La map est recettée alors? Oui, évidemment. Ouais, j'avais pas fait attention. Est-ce que lui aussi? Ah, comme il n'y a pas de stamina, ça touche la magie quoi. Ça l'a bien changé là en bas. Oh, j'ai fait bouclier. Je ne subis aucun dégât. Merci Mario! Ah merde, trop tard! Ah, fais chier! Eh, je peux me protéger avec mon pied. Bah voilà. Merci. Oh mon dieu! Ah, c'était grand titre. Spécial bouclier de garde. Ouais, mais bouclier ça bouffe la magie, je crois que. Héros audacieux, statistiques faibles, peu affligé, des attaques critiques. Bon dans tous les domaines. Vous avez tendance à exagérer. Vous êtes capable de. Bon, s'en fout. Distinguer les gens. Bon. Alors, héros à problème de vue peut-être. C'est avec son équipement, ouais, mais pourquoi il veut me parler? Attends, que je... Ah ouais, ça c'est cool, je peux reprendre l'épée. Rune vampire, oh, que j'aime bien ça. Et quoi alors, qu'est-ce que je fais à l'équipement? Je reviens au début du jeu et je le donne. Oh merde! Ouais, j'ai mis ça. Donc un petit bouton de course quand même. Hein. Ah non, on peut pas sortir. Vampire, mais quoi?
Oh mais... Oh mais... Ouais... Ok, d'accord, aléatoire. Ouais, je m'en fous alors. Ouais. 60, bah ouais, j'ai rien fait quoi. Alors. Déjà équipé. Ah ah ah. Le forgeron. Mais, alors, à toi. La rune vampire, est-ce que c'est toi qui l'as? Donc d'accord, les runes, il suffit juste de les ramasser. Parfait. C'est moi ou... Non, non, j'étais déjà comme ça. Ouais. Oh, il y a une petite taille. Maintenant, espérons quand même qu'il a de la puissance dans le bras. Hein. Allez, c'est parti. Ah, c'est le début. Les noirs qui me suivent, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être rien. Toi, je t'ai vu. C'est pas un coffre avec 10 pièces, hein. Ah non, il n'y avait pas 10 pièces. Mais... Eh, les armoires, je peux monter dessus, maintenant je peux plus. Oh, il me reste plus que 5 de vie. Je me dis que je vais pas faire long feu. J'ai envie d'être sympa, de me filer à bouffer. Je peux pas monter sur toutes les armoires. J'ai déjà lu ça. J'ai été one-shoté d'entrée de jeu, quoi. Un truc de fou ça. Bon, il nous reste plus ou moins 2 minutes de vidéo. En plus il a un bouclier celui-là. Ah, 310, mais j'ai finalement fait quand même quelque chose. C'est quoi ça? Dégâts magiques. Bon, je vais comme prendre plus de vie, hein. Allez, c'est parti. Allez, on va essayer d'avancer un peu. Me téléporter, c'est ça? Oh, mais ça c'est génial! Un petit côté quand même, Megaman, hein, la téléportation. Bon, normalement, la vidéo va pas tarder à s'arrêter. Je ne sais pas si je ferai une troisième partie, je pense que j'aurai un peu de mon côté, j'en reviendrai peut-être plus tard. Enfin, si ça intéresse quelqu'un, il suffit de me demander.